Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé et sur les antennes, bien évidemment, de la radio des défis Océan FM. Vous suivez maintenant votre émission, le décryptage de la semaine. Cela se retrouve dans le grand programme. Dimanche, c'est politique. Le décryptage de la semaine, c'est bien la tribune réservée à notre consultant politique pour revenir sur quelques faits marquants de l'actualité nationale durant toute la semaine. Il est déjà à nos côtés, Agapit Napoléon Maforika, bonsoir. Bonsoir Roumiade, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ah, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. L'actualité nationale est marquée bien évidemment par cette tournée nationale du président de la République. Vous vous souvenez, le jeudi 12 novembre 2020, le chef de l'État a démarré donc cette tournée et la reprise d'ailleurs après donc la première phase, la reprise a eu lieu vendredi dernier avec les communes de Banté, de Savalou et puis la huitième journée. C'était donc samedi. Ce samedi, il y a eu les étapes, bien évidemment, de Glazoué, Ouessé et puis Dassa. Voilà, avant donc la reprise le lundi. Agapit Napoléon Maforika, l'étape de Banté, ça a quand même retenu les attentions, puisqu'on a parlé du cas Komikoutché. Les populations, à travers le maire de la commune, voudraient bien que la réconciliation passe par le retour sur le territoire du Bénin de leur fils, donc du fils de Banté, bien évidemment Komikoutché. Une noble ambition, une noble doléance, pensent certains observateurs. Romède, bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, je voulais démarrer cette séance par une pensée pour la famille de Célestin Apouvoir. Célestin Apouvoir, un aîné dans la profession des médias, un aîné dans le droit, juriste de formation, après avoir fait des années sur les médias, il s'est spécialisé en droit. Voilà, Célestin Apouvoir nous a quittés. C'est mon prédécesseur à la tête des journalistes de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, de 1996 à 2000. Et donc, il a été membre de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de 2009 à 2014. Et puis, entre-temps, il était conseiller juridique à CLCB, ancien membre de la Sénat également. Voilà, il a été terrassé par une courte maladie. Ce week-end, je voulais avoir une pensée pour sa famille et puis pour son épouse. Et puis les confrères qui l'ont côtoyé, voilà, je tenais à faire ce témoignage. Comme un autre témoignage, mais qui reste purement personnel, je ne l'évoque pas. C'est pour dire que, personnellement, c'est un double deuil ce week-end. Alors, je voudrais saluer la mémoire des défunts et avoir une pièce pensée pour eux et penser pour la famille. Voilà, pour la famille. Et c'était ça. Ainsi va la vie. Ça se poursuit. Tout à fait. Ça se poursuit. Vous allez parler donc de la tournée du chef de l'État. Mais avant d'aller là, je préfère dire deux ou trois mots sur le tableau, sur les plateaux de la journée, et notamment le passage quand même de l'honorable, du vice-président du parti les démocrates. Effectivement, qui a quand même insisté sur le fait qu'il demeure honorable parce qu'il estime que le président, quand on est président du Bénin, on est président à vie et donc il est honorable toujours. La question est de savoir s'il est vraiment honorable. Moi, je pense que nous l'utilisons honorable, de toute façon, ça c'est entre eux. Pour nous, c'est un député. C'est un député. Un député, c'est quand on est en fonction. Bon, après, nous gardons toujours nos fonctions. Moi, on m'appelle toujours conseiller, je ne dis jamais non. Il y en a qui m'appellent toujours président pour avoir été président des journalistes, je ne dis jamais non. Bon, donc, il y en a qui m'appellent rapporteur, par exemple, m'ont croisé à la HAC ou à la NLC, je ne dis pas non non plus. Donc, bon, voilà, s'il a envie d'être honorable, tant mieux, mais il faut que ses actions l'honorent, il faut que ses propos l'honorent également. Et aujourd'hui, nous l'avons suivi, bon, avec du plaisir, il est resté dans son registre, toujours cette propension à la victimisation
toujours. Ah, vous pensez qu'il est allé à la victimisation? Oui, toujours que le mal, c'est les autres, c'est pas eux, c'est on l'a empêché, c'est les autres qui ne sont pas si. Le pardon, c'est pas nous, c'est le peuple, c'est pas. C'est-à-dire que, bon, on est rentré tout dans cette posture. Hein, disons, bon, alors, est-ce qu'on doit le critiquer? Non. C'est un homme politique de l'opposition, oui. Donc qui regarde les choses autrement, sans doute avec une vue totalement en deçà de la réalité. Mais bon, c'est leur manière de regarder. Et donc, ne pas dire mot là-dessus est quand même chose, parce que il a une approche qui n'est pas vraiment celle républicaine. Lorsqu'il évoque le parrainage, par exemple, en estimant qu'ils n'iront pas. Voilà, le parrain, voilà, parce qu'ils vont sauter le verrou du parrainage. Enfin, oui, d'accord. C'est l'ambition. S'il saute le verrou, tant mieux pour lui. Mais il n'y en aura pas. On ne sautera pas le verrou. Puis on a dit, on est fin novembre. On ne touchera pas au texte avant les élections. Et pourtant, il est confiant. Non, il ne faut pas qu'on. Bon. En fait, il estime, par rapport au délai, vous voyez, il estime que si on est passé en pleine. Installation donc et élection des maires à une loi explicative, c'est que c'est possible qu'on puisse trouver un mécanisme pour le parrainage. Non, il faut lui rappeler, parce que les animateurs ne lui ont pas rappelé ceci. Les animateurs ne lui ont pas rappelé que pour eux, pour l'opposition, je reviens encore là-dessus, pour l'opposition, fin février, le chef d'État a tenu une réunion, 2019 je veux dire, avec les partis, on dit qu'il faut, lui ne conçoit pas que ce soit les deux formations politiques qui le soutiennent, qui aillent aux législatives. Et a demandé à Adrien Ngouédi, de président de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que l'Assemblée trouve les mécanismes, justement pour des lois dérogatoires au code électoral, pour permettre à tous les partis qui le veulent d'aller aux élections. Mais quand tout ça, quand le comité paritaire a travaillé avec deux membres de l'opposition, Éric Ondété, actuellement président de. Du parti en création, parti les démocrates. Et Gaba Yaya, qui est resté au CBE. Lorsqu'ils ont signé, le lendemain, c'est eux-mêmes qui sont revenus renoncer à leur signature. En disant, et Boni Yaya dit, il faut donner réception à tout le monde. Ça veut dire que Talon, le gouvernement, les partis à l'Assemblée, ont déjà tenté une fois. Ils ont déjà tenté le consensus pour retoucher au test. Qu'est-ce qu'ils l'ont empêché? Apparemment, pour eux, ce n'est pas assez. Non, c'est eux qui ont, ils ont participé au comité, et après, ils ont signé, et ils n'ont pas expliqué pourquoi ils sont revenus là-dessus. Il faut qu'ils l'expliquent. Mais tout le monde, tous les week-ends, j'interpelle Eric Ondété, moi, je veux bien qu'ils répondent. J'ai envie de croiser, on a un débat, moi, je veux qu'ils répondent, président Ondété, honorable. Moi, je veux que tu répondes, parce que c'est important. Lorsqu'on a envie de gouverner, on doit avoir de la suite dans les idées. On ne peut pas sauter. Donc, quand nous on dit qu'il faudrait et qu'on a pu faire les députés ont pu faire la loi, ont pu toucher à la loi au code électoral, notamment pour la répartition des sièges. Moi, je l'ai déploré personnellement. Personnellement, j'aurais conseillé qu'on laisse le consensus se poursuivre. Et qu'on laisse le processus se poursuivre et que ça se gère au contentieux tout à fait. Avec la Cour suprême. Mais moi, je suis qu'un consultant. Donc, les députés ayant les prérogatives de leurs prérogatives se sont retrouvés en tout consensus. Donc, ils se sont entendus. Et même l'opposition CBE n'a pas protesté parce que ça lui a promis. Donc, toutes les parties prenantes étaient d'accord. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. On aurait pu faire la même chose en février, en mars 2019, pour aller aux législatives. Mais ça n'a pas pu marcher parce que l'FCBE et leur chef de file, et leur leader charismatique, Boniaï, ils ont préféré faire encore et votre face. Sans expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, il ne peut plus demander aux gens de faire ce qu'ils ont fait la dernière fois. Quand ils vont démarrer, ils vont encore dire la même chose que d'ailleurs, qu'on n'a pas besoin. Non, quand même, il faut bien. Comprenons que on a besoin de canaliser les ambitions présidentielles. Et donc, on est passé au quitus. On est passé au parrainage. Donc, pas au parrainage. Au départ, ce qui avait été élevé, c'était la caution. Exactement. Les gens estimaient que tu es des élections censitaires, que tu es pour les bourgeois, que c'est l'argent. Bon, donc, après le dialogue politique, la caution a baissé sensiblement. On est passé de 250 millions à 50 millions. À 50 millions. Et donc, et le parrainage est venu pour équilibrer 16 parrains, enfin 10%
des parrainages possibles entre les élus locaux, les élus communaux et les élus députés. Alors, j'ai entendu être un peu courtisé une femme mariée. Mais non, mais ça, c'est un faux problème. Les députés ne sont, les élus ne sont pas des élus de leur parti. Et si nous renouvelons qu'on lui dit toujours qu'il en fait, il estime pas, en donnant cette illustration, que, par exemple, les parrains dont on parle, ils sont effectivement du BR, mais ils sont quand même acquis à la cause du président de la République qui pourrait être candidat, selon lui. Mais quel est et donc, ils sont déjà... Mais quel est son problème? Il a besoin de parrains, il demande de parrains. Il demande aux parrains, il faut qu'il aille convaincre pour quérir les parrains. Le Front National en France va faire du cheminement pour chercher des parrains partout où besoin est. Donc, il faut chercher le parrain. Partout où on a dit parrain, il faut aller convaincre. C'est des élus. Le chef d'État n'a aucun parrain acquis à lui, a priori. Et si on ne peut pas comprendre le principe de la démocratie représentative, ça veut dire qu'on ne peut pas parler au nom du peuple. Ça veut dire qu'en tant que député, il ne peut pas dire qu'il est le représentant du peuple. Parce qu'au nom de... En vertu de quoi lui parle, s'il ne se sent pas représentant élu du peuple. Alors, s'il est représentant élu du peuple, il n'est pas membre d'un clan. Il est représentant. Donc, les 16%, les 150, les 160 parrains possibles sont des députés. Le député est l'élu de la nation. Tout mandat impératif est nul. Alors donc, si le principe de la démocratie représentative, le député n'est pas le député BR ni UP. Je pense que je clame cette affaire depuis longtemps. Donc, s'il le comprend ainsi, il ne peut pas dire que c'est des acquis à talent ou à qui que ce soit. Ils viennent par là. Mais ils sont élus, et dès qu'ils sont élus, ils deviennent députés de la nation. C'est là le principe. Si on n'est pas d'accord sur ce minimum, on ne peut pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer. C'est le cercle. Les élus, les maires. Mais si un maire est maire FCBE, ça veut dire que finalement, il ne peut plus rien. Donc, les routes qu'il veut faire, c'est des routes FCBE. L'eau, c'est de l'addition d'eau FCBE. Mais le gouvernement des projets pour Bembeleke, Bembeleke ne dirige pas un maire FCBE. Vous savez, il va arrêter. Quand le chef d'État était à Savé, il a été accueilli par des populations en liesse avec à côté le maire de Savé, qui est un maire FCBE. Donc, ce n'est pas la République. Mais ceux-là, c'est des élus. Et ils reçoivent le chef d'État comme le président de la République. On est dans un État unitaire. On n'est pas dans un État fédéral. Donc, le chef d'État est le patron. Et eux, ils sont des élus du peuple. Donc, quand on a dit que c'est des parrainages d'élus, il n'y a plus à dire que c'est les gens du chef de l'État. C'est les BAUP. Non. Je pense qu'il faut que cette confusion disparaisse. En tout cas, cette ambition de nous réunir, de voir donc le verrou du parrainage sauter, par exemple, est entretenue par une illustration de la Guinée. Il estime qu'en Guinée, par exemple, il y a quand même cette disposition sur le parrainage, mais ce n'est pas appliqué. Le mécanisme a été trouvé et puis ça a été sauté. Mais les Guinéens ont trouvé le mécanisme. Les Ivoiriens également ont trouvé leur mécanisme et ils l'ont appliqué. Ils l'ont appliqué. Et donc, les Béninois trouveront leur mécanisme pour l'appliquer. Pour l'appliquer. Parce que, je vous l'ai dit, ils ne sont pas crédibles. FCB, les Nourénous, ils ne sont pas crédibles parce que, comme je l'ai dit, ils l'ont. Jusqu'au moment où le président de les démocrates, Eric Ondeti, passera. Est-ce qu'ils ne sont pas dans leur rôle? Je dis, lorsqu'au moment où le président des démocrates va dire pourquoi ils ont rejeté en mars 2019 là, le consensus, ce qui a été retenu par le comité paritaire. Par le comité paritaire. Quand ils le diront, il faut la reddition de compte. Le jour où ils le diront et convaincant. Ils seront crédibles devant vous. En tout cas, moi, je passerai à autre chose. Mais j'interpellerai aussi longtemps que possible. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas jouer sur l'amnésie collective. Vous êtes dans un processus de dialogue pour trouver une solution consensuelle, pour aller aux élections législatives, ouvertes à tous. Parce que vous estimez que la loi qui a voté est de nature à bloquer certains. Le chef d'État vous donne acte. Allez négocier, allez vous entendre. Vous avez failli, vous êtes proche de l'entente. Et puis, paf, vous quittez. Et vous savez le bordel pour bloquer tout. Et après, on a vu les suites. Tout ce qui s'est passé après, les violences, les morts, les blessés, c'est eux. C'est ça. Donc, si on ne le dit pas assez, ils vont reprendre les mêmes choses. Donc,
pour moi, il est... Est-ce que ce débat n'est pas dépassé quand on sait qu'ils ont, quand même déposé les dossiers pour une reconnaissance légale au ministère. Ils réclament qu'on retourne en arrière, qu'on fasse comme la Guinée, ou bien qu'on aille, qu'on retourne au Parlement pour revoir les choses. C'est ça que je dis qu'ils ne sont pas crédibles. Ce n'est pas crédible parce que chaque chose est craint l'eau froide, ils ont déjà fait ça. Je ne sais pas pourquoi les UPBR là accepteront de le refaire cette année. Et puis d'ailleurs, et pourquoi ils le feraient? Alors, je dis, quand vous allez aux élections, si vous n'êtes pas en mesure de convaincre un certain nombre de grands électeurs, ce n'est pas la peine. Vous voulez aller quérir les voix du peuple, les suffrages du peuple pour diriger le pays. On dit d'accord, parce qu'il y a pas les représentants élus. Vous allez convaincre 10% et ayez le parrainage de 10%. Et il y a une confusion également qu'il faut lever. Le parrainage ne veut pas dire je vote pour toi. Le parrainage, je te parraine. Je porte caution que tu peux être candidat, que tu as peut-être le contenu. Moi, élu du peuple, je porte caution que tu peux l'être. Ça ne veut pas dire que je te soutiens. Le mandat d'élu est un mandat non impératif. Donc, on ne sait pas de qui on est élu. Quand vous êtes l'élu de la nation, ça veut dire que vous n'êtes pas l'élu. Vous êtes élu dans le 24e circonscription électoral, qui est la zone Marie, la zone Agony, comme on le dit. Mais vous n'êtes pas élu Agony. Vous êtes élu par les populations là-bas, bien. Vous êtes l'élu de la nation. C'est ce que notre constitution dit. Si depuis 30 ans, on ne peut pas l'expérimenter, on ne peut pas l'intégrer, ça veut dire qu'il faut voter, il faut sauter ça et passer à autre chose. Est-ce que ce n'est pas le fait que ça pourrait être considéré comme quand même une honte de se voir parrainer par des personnes qu'on a toujours appelées des députés nommés? Mais ça, c'est le problème. Moi, je ne veux pas rentrer dans leur tête. Mais moi, je dis ce qu'il doit être. Et ce qui doit être, c'est que les députés, nous sommes députés UPBR, ils sont élus sur la liste UPBR, ils sont militants UPBR, mais ils sont députés de la nation. Ils sont représentants du peuple. Et en cette qualité, si moi j'ai envie d'être candidat, je les vois, je dis, je leur montre mon dossier. Et ils sont tenus de me donner leur parrainage. Donc, mon dossier est bon. Ce n'est pas optionnel. Sinon, ils auraient trahi le peuple. Si mon dossier est bien monté, ils vont me donner le parrainage. Parce que c'est le langage, c'est la manière dont je soutiens mon dossier devant eux. Ils sont le pré-peuple. C'est des dérivés, c'est des représentants. Donc, avant d'aller voir le peuple lui-même, je passe par eux. C'est ça que la loi... Donc, au lieu de donner aux partis politiques ce pouvoir de désigner le candidat à l'élection présidentielle, les députés ont préféré, donc les législateurs ont préféré, donner à des représentants du peuple. Donc, de regarder dans les dossiers. Donc, de prévalider certains dossiers, et pas avant que ce soit soumis au peuple lui-même. Donc, c'est de dépouiller les dossiers avant que le peuple lui-même ne soit saisi. Quel mal y a ça? Je pense qu'il y a des gens qui sont dépassés, il faut qu'ils passent de côté, et ils laissent ceux qui peuvent faire le job, ceux qui ont la carrure, la poigne de se présenter, et de quérir ce parrainage-là. Donc, de manière globale, comme nous étions en train de saluer le plateau, de commenter, bon, il est utile de revenir sur le débat des duels des socialistes. C'est toujours la même rengaine. De toute façon, on va revenir un peu sur le pardon. Mais moi, je dis simplement que c'est bon, le passage de l'honorable et nous, ça montre déjà que, voilà, il ne commence pas, il renoue avec les médias. En tout cas, il renoue avec, déjà, ils expliquent un peu leur position, c'est bien. Moi, je trouve que il est intéressant qu'ils expliquent leur position, qu'ils disent ce qu'ils proposent comme alternative. Qu'il quitte ce monde d'invectives, toujours, et qu'il nous apporte des idées. Qu'est-ce qu'il nous propose? Et justement, il trouve que, quand même, que c'est leur manière de contribuer à la construction de ce pays, en aidant donc le président Patrice Talon, pas des critiques objectives. Non, il faut et c'est ce qu'ils font. Il faut proposer, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas faire que critiquer. Quand vous critiquez, vous donnez en même temps l'approche. Ils n'ont pas d'approche. Jusqu'à présent, on ne voit rien. On n'entend rien comme alternative. Donc, Covid est passé, Covid passe, Covid continue. Quelle est leur alternative dans la gestion de cette situation? Ce n'est pas terminé. L'école, quelle est l'alternative dans les grandes questions de l'adéquation formation-emploi, par exemple? Et il y a un certain nombre de sujets. Est-ce qu'il ne faut pas attendre la présidentielle pour le projet de société? Le président Yahi est leur leader charismatique. Mais la décennie Yahi, est-ce qu'ils l'ont finalement évalué? Ça aurait été bien, parce que nous avons cru en cette décennie au moment où les grandes idées étaient annoncées. Mais pourquoi tout le monde a lâché?
pas nécessairement. Qui ne dit surtout pas que les gens les ont lâchés pour rejoindre le pouvoir. Non. Il y en a qui sont restés bien après l'arrivée du président Talon. Mais pourquoi les gens quittent? Parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait plus d'idées. Il y avait d'invectives. On a l'impression qu'on vient découdre avec celui qui est là. Parce qu'il y a... Non. Non. Il faut faire la promotion des idées. La promotion de l'alternative. Et non la promotion de la haine. Ou des invectives. Ou bien de... Non. Je pense qu'il faut qu'on revienne un peu. Que la politique ne soit pas le champ des batailles rangées où on peut aller à la violence, brûler les visions des gens. Non, il faut qu'on revienne un peu au combat loyal, régulier, et à la fin on se sert la main. Quand il y a la lutte, quand il y a la lutte traditionnelle, quand il finit, qu'est-ce que j'ai lu ? Normalement, on doit pouvoir, bon, même s'il y a des choses dans l'ombre, mais après, il faut qu'on en arrive, que comme la boxe, quand les gens finissent, que comme le tennis, quand les gens finissent de compétir. Il se donne la main parce que ce n'est pas l'adversité, c'est le combat de terrain. Voilà. Donc, dans l'autre, moi, je trouve que bon, on va continuer le débat avec les résultats du parrainage, avec la gouvernement. Bon, comme je dis, c'est leur manière de voir. Et, c'est heureux et justement, on reviendra sur quelques aspects abordés par Nourenou Akhadé hein, sur l'entretien concernant la tournée du chef de l'État. On en parlait justement. L'étape de Banté qui a permis, bien évidemment, au maire. D'exprimer donc le vœu d'une frange de la population qui estime, en fait, qui souhaite le retour donc de Kwame Kuchi sur le territoire béninois. Cela pourrait passer également par la réconciliation et le renforcement de la paix à Gapindapono, Napoléon Mafouregan. Je pense que l'étape de Banté a été une très bonne étape, une étape instructive, une étape enrichissante, une étape majeure pour notre démocratie. Parce que, vous savez, le maire a dit ce qu'il avait sur son cœur. Et le chef d'État a eu la réplique de l'État. La réplique de l'État. Donc, normalement, après ça, on devrait, chacun devrait savoir à quoi s'en tenir. Vous savez, la République, ce n'est l'apparence de personne, ce n'est la protection de personne. Mais la République a des règles. Si Banté veut son fils, c'est logique. C'est logique. Mais est-ce que le fils est prêt à rallier Banté? C'est là la question. Un fils pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration, c'est un frère, Kwame Kuchi, oui, nous l'avons côtoyé, tout ça, un des gens de ma génération. Il était assez ouvert, disponible. Hein. Alors, donc, on l'a connu sous un, dans un instant, à un moment donné, dans des conditions différentes. Mais une fois que le pouvoir n'est plus à sa possession, parce qu'il était présent lors des 10 ans, toute la décennie jaillie. De cadre de FNM, il est passé ministre d'État. Donc, il a été notre ministre, le ministre de la Communication, à un moment donné. Il s'est avant battu d'ailleurs ministre, pour que le Code de l'Information, la loi 2020, le 2015-07 du 20 mars 2015, portant le Code de l'Information, il en est quelque part l'un des... Il a boosté la loi. Je me rappelle quand il a mis les présidents d'association dans un bus, ils sont allés à la Cour suprême pour que la Cour suprême puisse étudier. On ne peut pas passer sous silence. Mais après, quand tu as des dossiers, des choses qu'on te reproche, il faut aller discuter. C'est un haut cadre, c'est une nation, c'est un haut responsable. Alors, on lui reproche des choses qu'il a eu à faire quand il était directeur général. Mais qu'il affronte. Même s'il estime que la justice va le condamner, peut-être pas. Je ne sais pas. Il n'a qu'à assumer. Il avait entamé le processus et comme l'entourage et comme certains, on estime qu'il n'y avait pas les garanties. Il a suivi. Quelle garantie? Il n'a pas un avocat. Est-ce qu'il n'a pas un avocat? Quoi, il n'a pas de garantie? C'est la même justice qui juge tout le monde. Lorsque vous avez un coup et blessure ayant donné la mort, coup et blessure involontaire, et homicide involontaire, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas voulu faire, mais vous subissez la loi. Vous subissez la loi, c'est la même justice. Alors donc, ce n'est pas sain de disparaître comme ça. Lorsqu'on a assumé les hautes fonctions. Moi, je dis toujours, il faut être gentleman. Le gentleman, il se présente devant la loi et il a pris, il prend pour soi et il s'en va. Même s'il a été maladroitement jugé, pourquoi pas? L'homme est faillible. Donc la justice des hommes est faillible. Mais après, c'est notre justice. Moi, je la respecte. Je dois la respecter. Et après, donc, surtout lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité,
d'étaler et maintenant, de dehors, sortir des trucs, affronter l'État, ce n'est pas bien. Puis cet État-là, toi-même, tu as vocation à revenir diriger. Mais à quel moment tu vas vouloir revenir diriger et tu vas vouloir avoir l'occasion que l'État te respecte? Que les autres aussi te respectent l'État. Donc, c'est pour ça que je dis, la bonne posture n'est pas celle que le ministre a prise. Comme il coûte cher. Et ça, c'est le chef d'État, il déclare. Et tout citoyen normal qui est pris. Croyez-vous que tout... les populations de Bantin ont compris Le Bénin est un, le Bénin n'est pas Bantin, le Bénin n'est pas Vrancou, le Bénin n'est pas Lalo, le Bénin n'est pas Bonou, le Bénin est un. Et le Bénin est gouverné par la même loi. Je comprends que les populations de Bantin aient envie d'avoir leur gars. C'est leur frère, c'est leur frère, c'est leur fils. Et sans doute, c'est généreux, c'est donc, c'est sûr, quand ils descendent. Bantin sans que rien passé, je suis d'accord. Je suis d'accord, on peut les comprendre. Mais je fais que nous sommes dans une république. S'il faut le faire au cas par cas, ça veut dire que finalement, qui. Donc c'est les gueux, les autres qui n'ont pas de foule derrière, peut-être les plus pauvres de la cité, c'est eux qui iront répondre de leurs actes. Les coups et blessures ayant entraîné la mort, les crimes passionnels, je ne sais pas quoi, les homicides involontaires, je ne sais pas. C'est ça, là qui iront faire les prisons. Et alors, les détournements de deniers publics, par exemple, et donc les concussions, hein, la corruption généralisée, un certain nombre de routes. Je ne dis pas que c'est lié à Kobi Koutché, mais je parle des personnalités. Parce que c'est eux qui ont l'attitude. Qui peut détourner si ce n'est pas une personnalité. Un petit peu, le petit peuple, on ne lui confie pas les fonds publics. Hein. Donc, le petit peuple, lui, c'est sur la Vespa ou sur la moto, il peut connaître quelqu'un qui meurt. On va lui dire homicide involontaire. Oui, donc, ainsi de suite. Violence et voix de fait. Parce que tu as eu la maladresse de gifler quelqu'un qui t'a énervé, ou bien, bon, voilà, il tombe, et puis voilà. Et s'il tombe en syncope, tu donnes une paire de gifles à quelqu'un qui tombe dans le coma. Et il décède. C'est homicide involontaire. Violence, on va te dire, bah, donc, sur fond de violence et de voix de fait. Alors, donc, quand on te met le tout ensemble, mais ça, je ne sais pas si ce n'est pas 5 à 10 ans de prison. Donc, et tout ça, nos populations subissent ça. Après, on va leur dire, mais nul est censé. Quand je dis, mais on ne connaît même pas, on va dire, mais nul est censé ignorer la loi. Mais est-ce qu'ils connaissent ceux qui parlent français, qui ont dirigé, qui ont porté des lois vers le Parlement? Et quand il est l'argentier national, comme il couche, il fut un argentier national. Je pense que c'est une personnalité respectable. Je pense qu'il se devait. Et ce n'est pas tard encore. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il reprenne contact avec la République, avec les instances de la République. Le chef d'État a dit, c'est un ami. J'ai vu ça dans un des... C'est un ami, j'ai vu ça. Ça veut dire qu'il a des contacts avec, il avait des contacts avec le président Talon. Alors donc, il faut qu'il renoue ses contacts. Et qu'il réponde de ceux dont on lui parle. Et donc il peut se rattraper, vous voulez dire? Mais tout le monde peut se rattraper. Mais non, tout le monde, le repentir existe toujours. Il peut se rattraper, je pense. Il peut retourner, répondre de ses actes. Et après... Implorer la clémence du chef de l'État, pourquoi pas, s'il veut. Donc, pour moi, et pas lui seul. Même chose pour Adjavon, même chose pour Djanotin et tous les autres qui sont dehors. Je pense qu'il faut que, si on veut une décrispation, parce que quand les gens disent, bon, il faut que le président Talon aille s'entendre avec son peuple, le peuple, selon eux, c'est ses confrères, ses frères, ses amis, ses aînés, ses parents qui sont dehors. Mais le peuple, ce n'est pas que. Le peuple, c'est juste ceux qui travaillent dans le pays. Le peuple, c'est ceux qui n'ont pas d'autre moyen que de rester là et subir et les rigueurs de la loi s'ils tombent dans sous le coup de la loi. Le peuple, c'est ceux qui produisent pour que nous mangions. Le peuple, c'est ceux qui payent leurs impôts régulièrement. Le peuple, c'est ceux qui se laissent diriger. Donc, ce n'est pas ceux-là qui quittent, surtout quand ils ont assumé des autres fonctions et après, dès qu'ils ont ils doivent répondre de leurs actes, ils disparaissent. Non. Donc, pour moi, il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Et donc, que ce soit Kobi Koutché, que ce soit Djavon, Sébastien, que ce soit Djanotin, moi je pense qu'ils peuvent renouer avec la... Au lieu de continuer cette posture guerrière de confrontation, d'affrontement de l'État, ils ont plutôt intérêt à plutôt aller vers l'État. Vous savez, en 89, lorsque le régime un peu acculé a décidé d'amnistier
Hein, parce que le bureau politique, quand j'ai réuni, ils ont dit, bon, ils vont amnistier. Et ils ont demandé à tout le monde, les gens n'avaient pas été condamnés, donc ils ont demandé à tout le monde de rentrer pour partir à la Constitution nationale. Et qui ont dit que tout ça là, que le communiqué s'adressait à tous ceux qui étaient condamnés, aux autres qui sont pourchassés, et ils l'ont cité. Quelques raisons ont dit non, ils n'ont pas une loi d'amnistie. Je pense que l'Assemblée nationale révolutionnaire a voté une loi pour annuler toutes les condamnations, toutes les poursuites contre tous ces gens, toute la condamnation. Pourtant, je n'étais pas toujours d'accord. C'est dans la foulée que Adrien Mbodji est rentré. Parce qu'Adrien Mbodji faisait partie des condamnés. Adrien Mbodji est rentré avec le ministre des Affaires étrangères du Gabon, une audience avec Mathieu Kérékou. Ah, et quand il est rentré, ah, ça donne des idées à d'autres. Ah, bonjour, le président Zissou, aussi qui a été condamné, il est rentré en janvier, courant janvier 2090. Ah, bon, voilà. Bon, j'ai pensé, j'ai estimé, bon, j'ai eu un peu peur, mais bon, voilà, on m'a donné quelques garanties. Bon, je suis là. Et ce Zissou, en condamné à mort, fut avant de mourir, conseil spécial de Mathieu Kérékou, président de la République, de 1996 à 2006. Donc, c'est dire que ces moments peuvent exister. Mais lorsque la possibilité vous est offerte, il faut rentrer. Il faut rentrer. Jean-Médel Bokassa, qui fut empereur centrafricain, condamné par contumace plusieurs fois, un beau jour, il se déguise, il dit, il va rentrer dans son pays. Et le pays lui manquait. Il est rentré, il a été mis en résidence surveillée, les gens ont appliqué les sanctions. Mais après, finalement, il est mort, il est enterré, normalement, dans son pays. Je pense qu'on n'est pas meilleur, on n'est jamais mieux que ce soit. En fait, bon, et donc, on ne se pas ça. Donc non, c'est pour vous dire quoi. Le pays manque toujours. Et puisque le pays manque toujours, il faut tout faire pour être en harmonie avec le pays. S'il faut des questions de droit, il faut les régler. Et justement, vous avez parlé de la loi d'amnistie. Il y a quand même, et le maire a dit, par exemple, et beaucoup, certains pensent que justement, le chef de l'État dispose d'un certain nombre de prérogatives pour pouvoir accélérer les choses dans le sens donc de la réconciliation et tout cela. Parce qu'on a parlé du pardon, bien évidemment. Le pardon, la République a pardonné, le chef de l'État, lui-même personnellement, il a pardonné, il attend donc le pardon des fils et filles quand il était, donc bien évidemment, à savait. On en veut encore plus, ou certains en veulent encore plus de la part du chef de l'État. Et il donne quoi? Il faut qu'il donne d'abord. Il faut qu'il donne. Il faut qu'il donne. Ça ne peut pas être d'un côté. On ne fait pas la paix avec soi. On peut faire la paix dans son cœur. On peut être en paix avec soi-même. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, il faut être deux aussi, au moins. Donc, qui veut la paix, prépare la guerre. Vous savez ça? Donc, si les gens ne veulent pas, le chef d'État, après l'initiative, le chef d'État a annoncé la suite en prenant acte de la situation des difficultés qu'on a eues. Et il a amorti tout ce qu'il a eu à dire. Il a fait, il a eu fait le dialogue, il a demandé aux gens de venir. Ils se sont braqués, ils ne sont pas allés. Le dialogue a eu lieu. Le dialogue a eu des suites au Parlement. Mais nous sommes dans une démarche, on était félicités par la CEDEAO pour ce travail-là, par l'UIA. Le Bénin est dans une dynamique. Il faut que je pense que certains sont encore dans l'ancien format. Il faut qu'ils reviennent dans le nouveau format. Ce qui demande au chef de l'État de pardonner, d'utiliser d'autres manières. Je pense qu'il faut qu'ils demandent au leur de rejoindre le mouvement. Rejoindre le mouvement, je ne vais pas dire tout le temps parti salon, mais contribuer au développement de la nouvelle dynamique, contribuer à l'amélioration de la nouvelle dynamique, et non aller affronter. Vous ne pouvez pas vouloir que les choses restent comme vous l'avez voulu, toujours. Mais vous étiez aux affaires, vous avez fait peut-être de votre mieux, mais vous n'avez pas pu atteindre ce niveau. Ne pensez pas que... Donc, puisque vous ne l'avez jamais atteint, personne ne devrait l'atteindre. Non, c'est un mouvement. Le Bénin n'est pas là où il est depuis 90. Comme je vous l'ai dit, on a connu des rues de Cotonou impraticables en 90. Mais en 95, quelqu'un revient, il trouve que c'est extraordinaire. Cotonou a changé. Mais c'est le gars qui a connu Cotonou en 95 et 2006. Disant, mais revient, c'est pas possible. Et c'est le gars qui a connu Cotonou de 2006 à 2016. Ah, mais c'est pas possible. Et depuis 2016,
Ah, mais là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions. Et puis, il y a eu des transformations brutales, nettes. C'est chacun selon son ambition. C'est chacun selon son ambition. Donc, si vous n'avez pas pu faire l'asphaltage, par exemple, si vous n'avez pas eu l'idée d'asphaltage, et l'autre a eu, mais applaudissez. Si vous voulez faire du pavé, l'autre a de l'habitude, applaudissez. Si vous n'avez pas pu avoir régler la question de caution, et l'autre a pu régler pour assainir, mais applaudissez. Tout le monde ne peut quand même pas applaudir à si vous n'avez pas pu faire du parrainage, tout le monde... et l'autre a pu penser à ça. Dans une démocratie, il y a la, il y a l'opposition et il y a bien évidemment la mouvance. Donc tout le monde ne peut pas applaudir. On peut ne pas être d'accord sur peut-être le mode opératoire, mais sur le principe. Pour moi, le mode opératoire, par exemple, est-ce que c'est secret? Est-ce que le parrainage est si? Ça, là, d'accord. Mais sur le principe, il faut qu'on réduise. Il faut bien faire, il faut nettoyer, il ne faut pas que cette fonction, n'importe qui se dit je vais être président de la République. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. C'est galvaudé, non. Tout le monde l'a dit d'ailleurs, ce n'est pas moi, ce n'est pas nouveau. Donc c'est quand l'application, tout le monde déplore la chose, dès qu'il faut l'appliquer, c'est tout un problème. Je ne voulais pas aller à l'EPI en 2010, c'est la même chose. Là, parce que la Cour constitutionnelle l'impose, la Cour européenne de ce là a dit nous irons aux élections législatives, à l'élection présidentielle et aux législatives 2011 avec la l'EPI. En ce moment-là, la LEPI n'existait pas encore. Tout le monde s'est levé, c'est impossible, on ne peut pas faire, c'est pas normal. On a été là. Et j'aime qu'on les force un peu. Voilà. Parlant de cette tournée, vous vous rappelez que on parlait de cette main tendue, bien évidemment, du chef de l'État à l'endroit, donc de celui-là qu'il a appelé son grand frère. On a entendu qu'on a eu quelques réactions. Et justement, la réaction également de Nourenou Akiadé qui estime que voilà, Boni Yayi, le chef de l'État, n'a pas de problème avec, en réalité, que Boni Yayi n'est qu'un citoyen et que le chef de l'État a réglé des problèmes avec son peuple. Donc, on en sait un peu plus sur, bien évidemment, les réactions de son entourage, dans la même ligne que Alassane Tigri, par exemple. Dont hâte. C'est bon, il n'a pas de problème avec Patrick Talon. Et qu'il explique que Patrick Talon a des problèmes avec son peuple. C'est fait que depuis plus de 10 jours, Patrick Talon sillonne le pays et surtout pas les zones. Et il n'a pas esquivé des zones, hein. Je pense qu'en bouclant Babante, il aurait fait tout le tour. Des zones rebelles, entre griffes, hein, Savalou, enfin pas Savalou, et Savet, Tchaourou, Parakou, Bante. Je pense qu'il aurait fait le tour, globalement, de ces zones-là. Et il n'a pas été chassé, il n'a pas été hué. Donc, alors, si les gens veulent savoir, alors avec quel peuple, Patrick Talon a des problèmes alors. Si par ces endroits, il a pu les sillonner, parler. À Banté, il a bien parlé avec le maire, c'était convivial, c'était bien. Alors, la population de Banté n'a pas du tout eu. Alors, et pourtant, quel est le problème alors? Le problème, oui. Il a évoqué, le problème que Patrice Talon doit régler avec son peuple, c'est le rétablissement de la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, lui n'aurait jamais eu l'occasion de parler. S'il n'y a pas de démocratie, lui, il n'aurait jamais eu l'occasion de parler. Les démocrates n'auraient pas hésité. Et lui n'aurait pas eu l'occasion de critiquer le chef d'État tout le temps, comme il le fait. Et il va librement, il circule librement. C'est quoi la démocratie? C'est l'anarchie? C'est le désordre? Hein? Si c'est laisser l'anarchie, le désordre, la pagaille, hein? Là, je ne pense pas qu'on soit en phase. Alors donc, il faudrait dire qu'on s'entende sur la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Et c'est ça. Donc, il faut que dans le cours d'un débat, qu'on parle de c'est quoi la démocratie. Peut-être qu'on peut entendre. Pour le moment, la démocratie, c'est tout sauf l'anarchie. La démocratie, c'est déjà accepter qu'un élu, il est l'élu, il représente le peuple. Que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus. C'est déjà le bien bas. Si on ne peut pas l'accepter, donc on ne parle pas de démocratie. Et donc, un élu est quelque chose qu'on doit respecter. Il a beau être l'élu de l'autre camp. Tant qu'il est élu, il représente le peuple. C'est pour ça que lorsque le chef d'État est élu, quel qu'il soit, on dit, la démocratie, c'est le système majoritaire. Vous élisez quelqu'un chef d'État à 50,01%. Mais il y a 49,99%. Ou bien 49,90%. Voilà. Et c'est 49,90%. Ces 49,90%-là n'ont pas voté pour vous.
Mais voilà qu'avec 44,01%, vous êtes président de tout le monde. Les 49,90%, vont faire quoi? Ils doivent se rallier. Vous êtes le président pour 5 ans. Ils doivent, s'ils ne se rallient pas, c'est des, ils sont subversifs. Ils ne connaissent pas la démocratie. Alors, maintenant, il vous appartient, en tant que président de tous les Béninois, de voir dans quelle mesure accéder à certaines aspirations de cette minorité, sans pour autant saquer les idées de la majorité. Est-ce que c'est essayer ou contribuer justement à concrétiser les aspirations de tout le monde? Vous ne pouvez pas. Vous avez, si vous êtes père de famille, vous avez combien d'enfants? Si vous en avez deux, c'est déjà difficile d'assurer l'aspiration, même au moment que maman et vous-même. Ça fait une famille de quatre. Même une famille de trois, un enfant, ma papa et maman. Si vous devez aspirer, le juge, il vous arrive de sonder pour poser un avis, vous n'avez pas toujours la même manière de voir. Parce que c'est chacun. Du coup, lorsque vous êtes élu, c'est pour ça que la loi de la majorité est une loi importante en démocratie. C'est vrai, on tient compte de la minorité. Bon, c'est vrai que. On tient compte de la minorité, mais la minorité. Certains pensent que ça a évolué entre temps. On tient compte de la minorité, mais la minorité n'est pas impactante dans la démocratie. La minorité doit laisser la majorité gouverner, diriger. Le gouvernant doit tenir compte de quelques aspirations de la minorité, l'écouter de temps en temps, essayer donc d'intégrer cette désiderata. Mais la minorité n'a rien à imposer si on est dans la démocratie, dans la loi de la majorité. Donc, il n'y a pas, faut pas qu'il y ait de désordre. Il ne faut pas qu'on tourne la tête aux choses au nom de je ne sais pas quoi. L'état de droit, c'est l'existence d'une constitution libérale, d'institutions, de séparation de pouvoir, des droits et libertés de chacun. La démocratie, c'est de permettre que ça tourne, que le pouvoir, que chacun ait la latitude d'aspirer, de postuler à ce pourquoi il aspire. C'est des institutions, c'est un pouvoir régulièrement remis en cause à chaque échéance. À chaque échéance. Donc, quand vous êtes élu, vous êtes élu à base d'un mandat, qu'on vous laisse travailler. Et vous devez, il faut saisir des moyens pour assurer votre fonction. Et si on vous barricade, vous bloquez, vous cassez la barricade pour avancer. Et c'est ce que le Parti de Salon fait. Nous avons passé tout le temps à tergiverser, à tourner en rond. Parce que quand l'un prend, tout le monde s'agglutine pour lui bloquer le chemin. Quand l'autre prend, tout le monde s'agglutine pour lui bloquer le chemin. Au nom de je ne sais pas quoi, ici c'est le Bénin. Donc, il faut saluer le courage de Patrice Talon. Et c'est là que ça doit faire école. La jeunesse doit en être contente, heureuse, en disant, mais enfin un repère. Et les autres qui n'ont pas pu, doivent pouvoir dire, mais ouf, on aurait pu, heureusement, et saluer l'artiste. Après, on peut ne pas être d'accord avec tout. Moi, je ne demande pas qu'on fasse du mimétisme et que tout le monde soit d'accord. Mais il est évident que Patrice Talon réussit là où beaucoup ont échoué, là où tous ont échoué. Et donc, ceux qui ont exercé le pouvoir et qui ont échoué, et voir qu'on peut faire, on peut aller plus loin, et Patrice Talon le montre, c'est eux qui doivent pouvoir faire amende honorable. Et c'est parmi eux qu'on entend les donneurs de leçons. Pourtant, Agapit Napoléon Bafourcade, Nourino Atchade estime que Patrice Talon n'a pas su faire oublier Boni Yayi au peuple béninois. Je suis d'accord avec lui. Enfin, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que l'immobilisme d'antan est remplacé par une action dynamique. Pas une obligation de respecter la ligne tracée, pas l'exigence de résultat. Ça, c'était pas avant. Donc, il a raison. Avant, c'est un pas devant, deux derrière. C'est la compréhension que vous avez. Avant, c'est un pas devant, deux derrière. Nous avons été là, on était à côté, on suivait. On a travaillé pour. Parce qu'il y avait une volonté de changer. Mais le problème, c'est que dès qu'on fait un pas devant, les gens brouillent un peu, on retourne en arrière. Et donc, on s'est retrouvé dans un bordel où rien ne tournait. Demandez à Jérôme Théagosso qui est dehors. Est-ce qu'il n'a pas tenté de limiter la grève, de supprimer la grève de magistrats, par exemple, en 2013? Est-ce que ce projet n'a pas été nourri? Mais pourquoi aujourd'hui, on dit, oui, voilà, on a empêché les travailleurs de faire la grève, par exemple? Il y a plein de projets qui ont été ouverts, de chantiers ouverts, refermés parce qu'on n'a pas eu le courage d'aller au bout. Parce que quoi, quand les gens crient, et tous les syndicalistes savent que bon, avec Boni Yayi, lorsqu'on crie, ils retournent en arrière, ils rebouchent le chemin, et tout le monde fait ça. Oui, donc il a raison, Moreno. Je pense que, effectivement, Patrice Talon ne peut pas faire oublier ce type de régime. Ce n'est pas seulement Yayi qui n'a pas fait oublier. Il n'a pas fait oublier tous les régimes d'immobilisme qui l'ont précédé.
Et pas, avec Yaïk, ce n'était pas l'immobilisme. Il y avait de l'action dynamique. Mais il n'y avait pas le courage d'aller au bout, l'abnégation, le courage de terminer. Il y a toujours ce souci de rester populaire. Et donc, la popularité qu'on a bâtie sur le populisme. Hein, de « je vous aime tous, vous êtes merveilleux, vous êtes agréable, vous êtes belle ». Mais ça nourrit personne. Il était sincère. Absolument. Mais ça nourrit personne. Ça nourrit personne. Ça ne crée pas de richesse. Ça ne crée pas de revenus. Aujourd'hui, les leviers sont ouverts. Je l'ai déjà dit une fois. Mais regardez cette semaine. Dans une Afrique où tout semble s'assombrir après Covid-19, le Bénin est resté en standant d'espoir à sa place. Avec la note stable. Mais plus stable. Donc, ça veut dire qu'on a maintenu nos performances. Tout au moins. Malgré cette crise, cette pandémie. Mieux. Pendant que tout le monde tire à boulet rouge sur le gouvernement, l'indice mot de la bonne gouvernance, que certains avaient brandi, parce que Mo a estimé que Pakistan serait dictateur, l'indice mot fait du Bénin aujourd'hui le deuxième pays francophone d'Afrique. Le deuxième pays francophone d'Afrique en matière de respect, en matière de la gouvernance. Le deuxième, dans l'espace un mois, sur 8 pays, après le Sénégal. Le quatrième, dans l'espace CEDEAO, sur 15 pays, après le Cap-Vert, le Ghana, le Sénégal. Et le 13e, au niveau de l'Afrique. Et ça, qui peut dire, avant on dit non, c'est fabriqué. Et moi, Ibrahim, qui estimait qu'il y a quelques mois seulement, il y a 18 mois, que c'était un dictateur, le Bénin, revient pour trouver que dans la décennie, nous sommes aujourd'hui, dans le classement 2020, à balayer la décennie 2010-2020. Et le Bénin est aujourd'hui avec ses performances. Sur les critères, les 90 critères regroupés en 4 axes, en catégories d'indicateurs regroupés en 4. Donc, au niveau du développement humain, au niveau des infrastructures économiques, au niveau de sécurité, et de liberté publique. Et puis au niveau de droits individuels. Je pense qu'au niveau des droits individuels, on a un peu... La participation au droit. Voilà. Donc, lorsque vous avez ces indices, mais vous devez... Ceux qui tirent tout est noir doivent plutôt aller faire leur acte de contrition. Et ces personnes, justement, disent qu'il faut se méfier de ces rapports, de ces classements. Je suis ahuri. Moi-même, je me méfie de ces rapports. Moi aussi, je me méfie. Mais je fais que... C'est les rapports qui sont les indicateurs. C'est vrai. Moi, je suis de ceux qui, quand j'étais journaliste, et j'étais encore sur le terrain, on était premier en 2002, dans les premiers classements. Exactement. Le Bénin était premier en Afrique et quatrième dans le monde qui respecte la liberté de la presse. Mais nous étions, en tant que président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, et nous étions de ceux qui disaient que, oui, d'accord, mais nous le sommes dans l'irresponsabilité. Parce que Mathieu Kérékou avait dit, je laisse voir. Fermez les yeux surtout. Et il y avait plein de procès au tribunal où les gens ne se présentaient pas, où la justice condamnait sans appliquer. C'est pas une liberté. C'est pas ça la responsabilité. Et puis avec Bouniaï, on est revenu à la réalité. Les gens disent, oh, le prédation, prédateur. Il n'y a aucun pays où la loi n'existe. Et puis avec Covid-19, vous avez vu comment, face à la menace que la santé des gens, comment des mesures drastiques de restriction des libertés ont été prises, même dans les grandes démocraties. En France, une démocratie aussi comme la française, où on a confiné, restez chez vous, on a confiné les gens, sans avoir recours à la loi d'abord. Lorsque l'urgence se fait sentir, l'État apparaît. Je pense que les gens peuvent ne pas... Bon, on pourrait vous dire que ces cas, c'est des cas exceptionnels. Est-ce qu'il y a une faute de loi? Si donc, les cas exceptionnels, chaque pays a pris, si ces cas exceptionnels. Donc, au Bénin, on n'a même pas fait l'état d'urgence sanitaire. On n'a même pas dit aux gens, allez, enfermez-vous, confinez-vous. Donc, c'est dire que, d'accord, les gens peuvent donner tout ce qu'ils veulent dire des indices. Mais je fais que, c'est ça que, quand Reporters sans frontières va nous déclasser, on va dire, ah, voilà, le Bénin, manger. Donc, ils vont le sortir. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire que c'est de bonne guerre. Mais ce fait que le Bénin répond présent sur toutes les indices. En tout cas,
ont tous les stats sont verts. Quand c'est comme ça, pourquoi je ne peux pas avoir l'honnêteté de dire merci président, merci de nous révéler effectivement comme tu as dit, merci de nous remettre au travail, merci de nous montrer que c'est possible, que ici c'est le Bénin, mais c'est encore possible, et que nous maintenant continuons l'échange et que nous nous maintenions dans cette approche sur la durée. Sur la durée. Et que dans 10 ans, que les jeunes qui émergent... N'attendez quand même pas que des opposants puissent demander la continuité de la dynamique. Mais pourquoi pas? Un opposant. Mais pourquoi pas? Sérieusement, on n'est pas dans une fiction, Agapi Napoléon-Maforida. Oui, nous sommes dans une phase transitoire, on est dans une longue transition. Patrice Talon, il n'est pas là normalement. Je ne le prends pas comme un homme politique, un chef politique. C'est plutôt un homme d'État. C'est un homme d'État. Il est venu changer le cours des choses des partis. Et donc, c'était le moment, c'est le moment encore pour tout le monde de prendre sa part dans ce que les partis ont fait. Même l'opposition. C'est ça le sens de la main tendue à Boniaï, si vous ne faites pas attention. C'est dire, tout le monde doit rallier la cause et la nationale. Ce n'est pas une affaire de deux personnes. Ils savent là où ils peuvent faire la paix. Ce n'est pas une affaire de deux personnes. C'est pour dire que c'est une cause nationale. Il n'y a pas de... Il n'y a pas Jean de Talon, Jean de... Venez, ça vous associer à la dynamique. Elle est nationale. C'est de Bénin qu'il s'agit. C'est ça. Donc, c'est une longue transition. Je vous l'ai dit, nous avons raté la transition en 90. Parce que chacun, tout le monde voulait prendre le pouvoir. On n'a pas fait la transition. On a mis en place des mécanismes. Bon, voilà. Et puis, à l'application, tout le monde sait déjà que ça ne fonctionnerait pas. Heureusement qu'il y avait la Cour constitutionnelle qui a permis. C'est grâce à la Cour qu'on est, que tout est resté en place. Et après, il faut remettre tout ça. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Il faut gérer la chiffre. Après, il faut aller au développement durable. Quand je dis que c'est conjoncturel. Donc, Patrice Talon s'est inscrit dans une dynamique de transition. C'est que vous comprenez, même les tâtonnements qu'on a vu, c'était test, machin, quelle est la transition? Il a fait bâtir un autre Bénin, de rebâtir. En fait, c'est une reconstruction du Bénin. Les paradigmes ont beaucoup changé. Les données ont évolué. Les mentalités ont été reformatées à bien des endroits. En tout cas, si vous êtes fonctionné, vous savez maintenant que le retard n'est plus, disons, l'apanage. Hein. Vous savez que là maintenant, le détournement, lorsqu'on vous nomme, vous devez faire beaucoup attention. J'écoute des gens. J'écoute des gens qui, hier, avaient des comportements qui, aujourd'hui, en ont d'autres. Tout le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bien public. Même si on n'a pas encore atteint le seuil total, on a fait un gros bond. Et donc, je reviens à dire, c'est une dynamique pour tout le monde. Les gens n'ont qu'à rallier le mouvement. Il ne s'agit pas d'un mouvement Patrice Talon, non. C'est un mouvement pour le développement du Bénin. C'est ça le sens de la main tendue de Parakou. Ce n'est pas Issa de Boniaï. C'est des hommes. Et les hommes sont mortels. Vous l'avez vu avec Roger Jean Wallis. Tous les hommes sont mortels. Il va rester après les institutions. Il va rester la République. Elle n'est pas mortelle. Elle est là. Elle peut prendre plusieurs formes, l'État. Mais les hommes, eux, vont disparaître. Donc, c'est donc une question. Est-ce que tout le monde a envie que ça change au Bénin? Je ne vois pas un seul qui dit ah non. Alors, si tout le monde a envie que ça change, je pense que c'est l'occasion de rallier le navire Talon. Pas pour être précisément taloniste, mais rallier le navire de la transition démocratique, la transition institutionnelle, la transition de développement vers 2026 pour nous permettre d'asseoir quelques bases solides. En fait, vous dites comme ça, Agapi Napoléon-Maforida, que ceux qui ont des ambitions pour 2021, de pouvoir les étouffer et d'attendre 2026. C'est ce que je pense, oui. C'est ce que vous dites. Oui, mais ils peuvent tenter les chances aussi. Mais le peuple, lui, c'est... Quand il rallie, je vous ai dit que tout le monde n'a pas besoin d'être taloniste. Donc, quelqu'un peut dire, oui, j'aime bien Talon, mais moi, je préfère qu'il soit mon vice-président. Par exemple, pour me conseiller. Donc, il peut être candidat, aller en allant chercher. Il peut dire, bon, moi, j'aime bien Talon, mais moi, j'ai envie d'être candidat. Après, il sera ancien président, je vais le prendre comme conseiller social. Bon. Mais qu'il, au moins, que les changements. Que à la matière, que nous soyons tout au moins d'accord là-dessus. Pour moi, en fait, ce qui compte, ce n'est pas la personne de Patrice Talon. Ce qui compte, c'est la manière, c'est que ce que nous avons entamé, ce que avec Patrice Talon, le Bénin a entamé, a commencé,
qu'on n'aille plus en arrière. Et que les gens se convainquent et le disent clairement que c'est vraiment une innovation. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas Talon comme l'homme d'un camp qui se l'approprie comme un patrimoine national. En disant, ça, lui, il est au-dessus de la mêlée. C'est grâce à lui que le Bénin est là. Poursuivons, même si nous veut, on lui veut prendre le pouvoir parce que la propre d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Prenons, mais disons, salut l'artiste, nous on continue le combat. Voilà en fait ce que moi j'ai dit. Je pense qu'on peut le faire. On n'a pas besoin d'être dans l'adversité pour le faire. On peut le faire, on peut trouver le mécanisme pour le faire. Je pense que ça nous avantagera nous tous. Très bien, merci beaucoup à vous Agapit Napoléon Wafourkan. Vous êtes notre consultant politique, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance également. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux auditeurs de OCFM, merci donc aux téléspectateurs de E-Télé. Merci de nous avoir suivis. Donc c'est la fin de votre grand programme Dimanche c'est politique. On va se retrouver dimanche prochain. Donc, mais nos programmes se poursuivent par ici. Tout juste après nous, vous suivrez Noumou Ngbassa. Merci à Grève Sud de soirée à chacun et à tous.